Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le cadre du prix Quai du Polar des bibliothécaires de la région de Lyon et de la métropole, je vous présente le roman Lady Chevy aux éditions Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. C'est un premier roman coup de poing écrit par un auteur américain, John Woods. Donc l'action se situe à Barnesville, dans l'Ohio. C'est une ville ravagée par l'industrie du gaz de schiste qui pollue tout. On va suivre le parcours d'Amy, qui a 18 ans, et qui, en raison de son surpoids, se fait moquer régulièrement par les jeunes de son âge, qui la surnomment Lady Chevy. Du côté familial, elle a un petit frère lourdement handicapé, elle a un père qui est faible, une mère qui découche régulièrement, et un oncle survivaliste et ancien militaire. Et pour couronner le tout, un grand-père qui est un ancien membre du Ku Klux Klan. Heureusement, elle a un ami très cher qui s'appelle Paul, avec qui elle peut tout partager. Et un jour, Paul la convainc de venir avec lui pour aller saboter les industries minières. Elle dit oui, et du coup, tout va partir en vrille et des actes irréparables vont être commis. Alors, c'est un roman puissant, profond et entêtant que vous ne lâcherez plus une fois que vous l'aurez lu. C'est un univers très réaliste qui fait écho à la situation actuelle aux États-Unis. Vous allez adorer, détester tous ces personnages monstrueux avec leur part d'ombre, mais aussi leur part d'humanité. Alors, Lady Chevy saura-t-elle triompher de ses ténèbres? Et à quel prix? Vous le saurez en lisant ce magnifique roman de John Woods.